Bien aimé, bonjour, bonjour. On voulait vous faire participer à l'arrivée du livre Le Joyau. Alors, le camion vient d'arriver et comme vous le voyez, nous sommes maintenant là. Le livre Le Joyau est arrivé en magasin aujourd'hui. Donc voilà, comme on vous l'avait dit, le livre allait être disponible et on s'est battu pour que le livre soit disponible. Donc je voulais quand même que vous assistiez en direct à l'arrivée du livre Le Joyau, le code secret de la délivrance. C'est tellement un livre si puissant que j'ai vraiment voulu que vous participiez, que vous suiviez ça en direct. Voilà, donc nous allons participer au déchargement. Que Dieu vous bénisse, restez connectés et je vous donne de plus en plus d'informations. Dora, tu viens s'il te plaît? Avez-vous besoin d'aide? Oui, il y a presque un médecin qui m'a aidé. D'accord, merci. Montez pour un côté. D'accord. C'est parce que c'est aussi allongé, papa. La voiture, exactement. Mais la voiture est penchée. Merci. Oui, Fabrice. Désolé, je te rappelle. Comme ça. Oui, c'est le problème. Mm. Et c'est comme ça les voitures.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit, pourquoi la caméra est devant? Je suis en train de bailler. Tout le monde t'a vu en train de bailler. Non. Vous êtes fatigué, hein? Ça va aller. Papa, mettez tout ici, puis après descendez-le. Ça va être plus rapide. Tu vas être salé. Wow. C'est lourd. Oh. Ouais, c'est vraiment lourd. Il reste beaucoup. Ouais. On arrive à la moitié. Vous voulez un peu d'eau? Ben. De l'eau? Non. Don't say something like that. No, don't. No. Papa, il a dit qu'il va venir t'aider. Yannick? Non. Pour lui, tu ne sais pas venir, on aura déjà fini. Non, c'est pas Yannick. Don't give up. Oh, j'aurais dû manger. Oh non. Never give up. Mon oh. Mieux, c'est bon. Ouais. Oui. Je suis capable de prendre le temps.
Non, Laura, c'est pas ça. Fais comme ça. Je prends tu filmes seulement. Fais pas ça. Ok. Va mourir. Non, tout sans ça. Never give up. C'est bientôt fini. En fait, non. Mal environ 20. Oui. Wesh. Mon gars, ça va que je n'ai pas pu faire ça. Ok. Après, il va vivre. Ouais. Deux. C'est bon. Alors bien aimé, comme vous le voyez dans la vie, il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien, et tant que nous avons le courage de payer le prix, l'objectif sera atteint. Je suis très content et je remercie tous les membres d'Océan des Grâces, vous qui êtes toujours connectés pour encourager. J'avais voulu que vous voyiez en direct la sortie du livre Le Joyau, c'est-à-dire l'arrivée en magasin du livre Le Joyau. Et comme vous le voyez, ce n'est pas facile. Chaque carton que vous voyez contient 20 à 26 livres. Et les 20 à 26 livres font 15 kilos. Donc vous comprenez que nous sommes en train de décharger des cartons de 15 kilos. Multiplié par combien, on ne sait pas, parce qu'il y en a plein. Le but, c'est ça. C'est de vous faire voir comment tout se passe. Avant que les livres n'arrivent dans vos mains, certains croient que c'est facile. Mais il y a tout un tas de travail à faire. Le boulot doit être fait de manière administrative, d'abord de manière spirituelle, parce qu'un livre qui va aider les gens à travers le monde est combattu. C'est pour cela, il y a un mois de cela, l'ennemi m'avait violemment attaqué. Certains d'entre vous, vous aviez remarqué quand je passais en direct. Mais comme toujours, le Seigneur fait grâce. Ils ont échoué et le livre est en magasin. Et le plus important, c'est ceux à qui ça va profiter. Parce que l'information qui est dans le livre, c'est pour ceux et celles qui ont besoin vraiment de récupérer leur vie. Nombreux sont les vies qui ont été vidées. Nombreuses sont les personnes qui ont été volées et qui ne savent même pas je fais comment. Depuis des années, les gens souffrent, croient que la prière seulement suffit. Or, la prière consiste à demander à Dieu certaines choses pour nous permettre d'atteindre certains buts. Le mot prière a été tellement mal interprété que les gens se contentent de prier. Et Jésus-Christ dans Nazareth a dit qu'il ne faut pas se contenter de prier. Et bien, il faut savoir toucher le royaume. Il faut savoir toucher la volonté de Dieu. En fait, le but de la prière n'est pas de parler à Dieu. Mais le but de la prière, c'est de toucher le cœur de Dieu. C'est de parvenir à dire à Dieu, je veux faire ça, voilà et voilà, voilà. Le code secret de la délivrance qu'on appelle aussi le joyau, voilà, le mystère des vertus de la destinée est dehors. Et ce livre sera une grande bénédiction. Je ne sais pas qui peut lire ce livre, il va dire ma vie n'a pas changé. Parce que les informations qui sont dans ce livre sont pertinentes. Dora, tu peux venir par la caméra, je vais aller l'aider s'il te plaît. Et tout à l'heure, je vous dirai ce qu'il en est par rapport au prix, comment faire pour l'avoir. Le livre sera disponible à la conférence à Paris. Alléluia. Donc tout à l'heure, même là, dès qu'on finit, je m'organise pour que DHL s'en occupe. Comme ça, même avant même que certaines personnes arrivent à Paris, le livre sera disponible pour tout. Que le Seigneur vous bénisse avec une bonne journée de travail. Je vous attends, vous venez m'aider.
Mais pourquoi de descendre avec. Comme vous mettez ici, puis après. C'est ça. Sinon, c'est trop. C'est recyclage. Ok, merci. Ça c'est du sport. Vraiment. Ça va aller monsieur. Sport. J'ai presque fini. Yes sir. C'est ta fille, il travaille d'où? Ouais, travaille. Écoutez, c'est bon. Monsieur, vous êtes de quelle origine? Vous êtes colombien? Non, Panama. Panama. Panama? Oh! Oui, c'est à côté de Colombie et Costa Rica. Puis ça. Panama, tu n'es pas connu? Si, si, si. C'est un petit, bien Centre-Amérique. Sud-Amérique, c'est le petit. Ouais! Le canal de Panama. Ok. Yay! Yes, sir! Dernier. Yadon! Oh, ça va, monsieur? Oh, yes. Encore. Ça. Yes. Encore. Descend? On va descendre, oui. Pour faciliter. Ok. C'est bon. Oui, venez. Ça tout droit ici. Okay. C'est bon. Finalement, je vais aller manger. Merci beaucoup. Oh, there. Il y a du boulot à faire. Après ? On va voir le carton. C'est sûr que beaucoup ont envie de voir à l'intérieur du carton. On va lui dire au revoir d'abord et procéder à l'ouverture du carton.
J'ai faim. C'est lourd ça. Oui, oui, laisse-moi aller. On va signer la décharge et on passe à l'ouverture des cartons. C'est les galaxies 23 S23. Oui, yes, c'est ça. Moi aussi, il y a. Oui. Ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bye. Formidable. Seigneur, je bénis ton nom pour ce merveilleux livre que tu viens de nous permettre de sortir. Que l'honneur et l'adoration te reviennent, Père. Je te consacre ce livre et le bénis encore une fois, Père, afin que tous ceux et toutes celles qui vont l'utiliser atteignent l'objectif fixé par toi en inspirant ce livre. Je te rends gloire et je te remercie. Je bénis ton nom pour tous et toutes celles qui ont travaillé sur ce livre et je te remercie d'avoir déployé ta main puissante pour nous aider à le sortir. Merci d'avoir mis la honte dans le camp de nos ennemis et d'avoir prouvé au diable et ses agents que lorsque tu veux faire quelque chose, tu l'as fait réellement. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au sein des siècles au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, comme vous le voyez, nous l'avons. C'est un livre de jusqu'à 459 pages. 459 pages. Même poids que les mauvais rêves, comment les briser. Même taille que les mauvais rêves, comment les briser. Beaucoup d'inspiration. Et c'est pour la gloire du Seigneur. Merci Dora. Je vais m'occuper du reste tout à l'heure. C'est pour la gloire du Seigneur. Dieu nous a donné la victoire. L'ennemi avait dit que ce livre n'allait jamais sortir. L'ennemi croyait qu'il pouvait empêcher ce livre de sortir. Mais le Seigneur, notre Dieu, a montré que nous sommes toujours victorieux. Je lui rends gloire devant tout le monde entier. Et je pense que le livre sera aussi le même prix que Les mauvais rêves, malheureusement, pour certains. Mais on n'a pas le choix. Voir le volume du livre, en voyant le volume du livre, le poids du livre, la taille du livre et aussi le contenu du livre. Vous voyez que Dieu vous bénisse. Je suis sûr aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui ont aussi un jour envie de réaliser leurs rêves. Je suis sûr qu'il y a aussi des gens qui se disent, mais Seigneur, à quand mon tour? Vous savez, hier j'étais en train de le dire à quelqu'un,
Beaucoup de nous, les enfants de Dieu, nous négligeons nos destinées. Vous savez que la façon dont nous négligeons nos destinées, ce n'est pas comme ça que l'ennemi les néglige aussi. L'ennemi combat tellement de manière farouche nos destinées. Vous remarquez que les destinées sont si importantes que le diable a établi seulement une association ou un département spécialisé dans le combat contre les destinées. Les gens ne se rendent même pas compte combien les destinées sont importantes. Les gens ne se rendent même pas compte combien le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth est important. Et la Bible déclare que le diable est allé faire la guerre à tous ceux qui portent le témoignage de Jésus-Christ. Et j'aimerais que vous preniez conscience du fait que c'est bien d'aller demander les prières, mais parfois, ce n'est pas d'une simple prière que vos destinées ont besoin. Parfois, ce n'est pas d'une simple prière que vous avez besoin. Très souvent, c'est de la protection de vos destinées. C'est de vraies intercessions. Vous devez tellement intercéder que personne au monde ne pourra vous empêcher. C'est-à-dire que la destinée sera protégée 24 heures sur 24 et personne ne pourra y toucher. Personne, je vous dis personne. Parce que la parole de notre Dieu dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent, gardent en vain. Pour que Dieu nous donne les meilleures choses au monde, nous devons apprendre à prier. Parce que ces meilleures choses sont déjà dans notre vie. Malheureusement, l'ennemi les combat. Voilà, notre sixième livre est déjà sorti. Un livre formidable, le Code secret de la délivrance. Vraiment, je rends toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. J'avais décidé qu'en 6 mois, on allait faire quelque chose. On a pris la décision devant tout le monde, devant Internet. On dit, on prend la décision. Dans moins de 6 mois, je réalise ça. Je me donne 6 mois, je me donne tant. Beaucoup de gens ont pris ces décisions. Malheureusement, celles-ci n'ont pas été suivies par des précautions. Ce qui a fait que l'ennemi a réussi à les empêcher. Ma prière ce soir, c'est que quiconque a aussi des projets, sache les protéger, sache prier pour que le Seigneur puisse l'aider à les accomplir. Devant tout le monde, je rends toute la gloire à Dieu, à l'Éternel notre Dieu, au Roi des Rois, pour le Code secret de la délivrance, le joyau, un livre incroyable. Et je bénis aussi Dieu pour toute l'équipe qui a travaillé, parce que c'est un travail d'équipe. Comme vous avez vu, mon imprimeur a fait envoyer dès l'usine spécialement un camion pour le déchargement, parce que les livres étaient beaucoup et il y avait pas mal de cartons à décharger. Et en plus, les cartons faisaient 15 kilos par carton. Voilà, on l'a en main et je vous garantis que maintenant qu'on l'a en main, on a finalisé toutes les démarches. Le livre sera disponible à Paris. Voilà, dès le 6, le livre sera disponible à Paris et je remercie Dieu pour tout. Voilà, il m'a beaucoup inspiré et il m'a donné la force. Gloire et honneur soient rendus à Jésus. Maintenant, quant au prix, comme je vous l'ai dit, ça sera environ le même prix que les mauvais rêves, parce que c'est le même volume. Un livre de ce poids-là, pour envoyer, regardez la taille du livre. Pour envoyer un livre de ce poids seulement, ça nous coûte $55 par livre. Et très souvent, on donne des prix qui parfois même ne nous apportent pas grand-chose, mais les gens ne comprennent pas que ce sont des livres qui donnent la vie. Ce sont des livres qui protègent. Aujourd'hui, quand vous allez réaliser votre destinée et vivre dans vos maisons, marcher, conduire vos véhicules et autres, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire « Oh non, les livres étaient chers ». Parce que beaucoup de gens ne voient pas quel est le travail derrière un livre. La souffrance derrière un livre, le manque de sommeil derrière un livre, la galère, les démarches administratives. Comme vous avez vu en direct, on a tous participé à la décharge ou au déchargement des cartons qui étaient pas mal lourds. Et là encore, je dois encore recharger la voiture pour aller maintenant chez DHL quand le temps me le permettra.
Et après DHL, il faut encore payer DHL. Maintenant, quand ça va arriver sur place, il faut encore payer le dédouanement. Et pour ceux qui ne seront pas présents à la conférence, il faut encore payer pour réexpédier chez eux. Et la plupart des gens, parfois, ils donnent des adresses bizarres où ils refusent de payer les frais de taxes. Ça nous revient et on doit leur envoyer ça gratuitement encore. Donc, vous comprenez qu'il y a tout un tas de bazar derrière. Parfois, on ne veut pas parler pour éviter d'être en palabre avec les chrétiens. Mais très souvent, les chrétiens sont très difficiles. C'est-à-dire que les gens qui devraient être les hommes et les femmes qui ont le plus de paix au monde, ils aiment beaucoup juger, ils aiment beaucoup se plaindre, ils aiment beaucoup te murmurer, ils aiment beaucoup bavarder. Alors que quand tu les mets à la place de ce que tu fais là pour faire la même chose, ils ne seront même pas capables. Ils ne seront même pas capables. Donc, je bénis Dieu pour ceux qui comprennent. Et je remercie Dieu pour les guéris et les guerrières. Donc, le livre est en main. On a fini. Le code secret de la délivrance est là. C'est votre livre. Voilà. Et copie, c'est pour le Seigneur. Devant tout le monde, je le dis. Cette première copie, c'est pour le Seigneur. Et les deux autres copies, c'est pour les gens qui ont fait la correction. Voilà. Qui ont fait la révision linguistique. Parce que devant Dieu, il faut tenir ses promesses. Que Dieu soit béni. Bon, il y a quelqu'un qui me demande, mais je vais poster ça comment au Seigneur. Quelqu'un est déposé sur la route et puis je pars, je reviens, ça disparaît. Merci aussi à Dora, tu m'as assez volé. C'est le moment d'aider aux gens là qui sont venus dans votre vie pour vous piller, pour vous voler vos chances. C'est fini maintenant. Alors je vous laisse dans l'intention de vous retrouver. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Et je dis, wow, gloire à l'Éternel. Hosanna au plus haut des cieux pour le code secret de la délivrance. Vous avez suivi ça en direct et je vous remercie. On s'est dit à bientôt.